Simplement, dans l'ambassade d'Haïti à Washington, nous avons perdu 7,5 milliards de gouttes pendant les 6 dernières années. Dans les cas volés comme passeport. 7,5 milliards de gouttes. Comme ça que nous avons perdu en décembre, moins 10 000 coupes que nous avons perdu. Ariel Henry, pour communiquer, nous dit que désormais, comme Washington, il y a voyé dans DGI. En décembre. Le 6 février, monsieur Ouzon revoit les cobla, ils font l'autre communiqué, ils ont dit qu'ils voyaient cobla Washington. De qui monsieur va parler? Monsieur qui l'a actuellement. Yo. Et même on parle si... de Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre, c'est les deux communiqués. Le premier communiqué, qui est le 22 décembre, au monde d'après capsule, comme la télévision là, eh bien, ils ont dit l'argent des passeports doit être transféré à l'ordre de la DGI. Ok. Le 22 décembre. Le 8 février, le ministère des Affaires étrangères a l'honneur de vous demander de bien vouloir transférer tous les chèques représentant les frais des demandes de passeport à l'ambassade d'Haïti à Washington comme à la Côte. Donc, même bagarre là. Même bagarre là. Alors, ça m'a remarqué. Dans l'ambassade d'Haïti à Washington, il y a fait minimum 10 000 passeports chaque mois. Parce que n'importe côté où on fait passeport dans le monde. Depuis que ce n'est pas en Haïti, c'est l'ambassade d'Haïti à Washington pour faire. Sous Gloire Globe, vous payez 250 euros pour extrême urgence, vous payez document, vous payez Washington. Sous en France, Washington. Sous Saint-Domingue, Washington. Eh bien, chaque année, vous débrouillez 1 milliard 500 millions de gouttes qui sont sortis de Washington pour venir. Pour passeport seulement. Pour passeport seulement. Eh bien, laissez-moi vous montrer. Eh bien, j'ai le papier de la DGI, parce que je ne peux pas parler sans babano. Exactement ça qui passe. Eh bien, le papier de la DGI, ça le dit. Hein? Ça le dit. Papier DGI, il dit que. Regardez, papier DGI, passeport à l'étranger, il dit que en 2016, au lieu de 1,5 milliard de gouttes, il va envoyer aucun comme. Et que je tout comme là. En 2017, il envoyait 234 millions. Ils font effort. En 2018, il envoyait 316 millions. En 2019, il y a 97 millions. En 2021, il n'y a rien. En 2020, il n'y a rien. En 2021, il y a 1 milliard 200 millions. Les journaux de Montréal. Vous ici, vous dites quoi? Vous comprenez comme il a dit? 7 milliards 500 millions de gouttes. Qui ça a dit? Qui ça a dit dans ça? Non, c'est après, ça. Parce que comme là, il y a signé des faux contrats de lobbyistes. Par exemple, où est l'ambassadeur Boucher? Le 6 février, là, les signes ont un contrat de 25 000 dollars américains par mois avec Daniel Merlo, qui fait 300 000 dollars américains hein, pour l'année 2022, alors que des imprimés comme la Washington. Les signes ont l'autre contrat de 200 000 dollars avec Louis Aleman. J'avais une copie pour NTV pour ce rapport. Eh bien, ça fait 500 000 dollars. Ou qu'on est avec 500 000 dollars seulement. Si Haïti pourrait être pris au sérieux, l'idée qu'à changer une unité soit timide, une unité timide, ça n'a pas lié là. Donc, voilà un pays. Donc, vous pensez que nous supposons partir avec ça de gagner. C'est entré au pays. C'est corruption qui a fait justement ça. Justement, gagner. Mais c'est corruption qui a fait là, qui fait que Haïti, actuellement parlant, pour le temps, 9 mois avant que vous formiez ça, parce que c'est les États-Unis qui ont 15 millions de dollars. Alors que nous-mêmes, si nous pas signons deux contrats de lobby, ça, pour laver figure en rien là-bas, nous avons gagné 500 000 dollars qui t'a permis. C'est comme là, dans le compte là, oui. D'ailleurs, il y a aussi un contrat, il y a tout bien.